Bonjour à tous, toujours dans la série des jeux avec les pinces, cette fois-ci on va travailler sur les quantités, les différentes représentations de la quantité. Cette première vidéo, ça sera pour les petits, donc la quantité de 1 à 3. Voici le principe, une carte, un modèle, et parmi les trois réponses, vous devez trouver ce qui correspond. Par exemple ici, j'ai 3 sur le dé, il faut trouver le chiffre 3 qui va avec. Donc dans la classe, on a un système de pinces où l'on peut cocher une des trois réponses, retourner et vérifier que ça correspond à la petite gommette pour savoir si on a bon. Donc là, je vais juste utiliser mes doigts. Vous pouvez montrer sur l'écran la réponse avant que je la donne. C'est parti. Donc pour les petits, 3. Où est le 3 en chiffres? Il est là. 2 sur le dé. Où est le 2 en chiffres? Ici. 2 sur le dé. Où est le 2 avec les doigts? Ici. 3 sur le dé. Où est le 3 avec les doigts? Ici. 1 sur le dé. Où est le 1 en chiffres? Juste là. Sur le dé, où est le 1 avec les doigts? Ici. 3 en chiffres, où est le 3 avec les doigts? 2 en chiffres, où est le 2 avec les doigts? 1 en chiffres, où est le 1 avec les doigts? Où est le 1 sur le dé? 2 en chiffres. Où est le 2 sur le dé? 3 en chiffres. Où est le 3 sur le dé? 1 avec les doigts. Où est le 1 en chiffres? 2 avec les doigts. Où est le 2 en chiffres? 3 avec les doigts. Où est le 3 en chiffres? 2 avec... Oh pardon, 3 avec les doigts. Où est le 3 sur le dé? 2 avec les doigts. Où est le 2 sur le dé? Et au final, 1 avec les doigts. Où est le 1 sur le dé? Très bien, prochaine vidéo pour les moyens de 1 à 6.